Nous sommes dans un village, tout ce qu'il y a de plus normal. Un village avec son histoire, ses traditions et ses mœurs. File-moi ton pécu, Arnaud ! J'en ai besoin ! Mais lâche-moi, sale pot ! Aïe ! Reviens ! Reviens ! Bon, bah, je crois qu'on va la refaire, hein ? Tu crois ? C'est ici, dans ce village paisible, que réside le célèbre Ivanhoé, qui, selon certaines rumeurs, souffrirait d'un mal peu commun. Alors, un faux ou un tox, nous avons posé la question directement à l'intéressé. Oh, oh, oh ! C'est pas bientôt fini, ce bordel ! On a qui dorment ici. Vous auriez pas du feu ? Bon, bah, on passe à la suite. Vas-y, bordel. Certaines personnes pensent que vous avez des problèmes de santé. Moi ? Des problèmes de santé ? Mais je pète la forme, gamin ! Et si tu veux, je peux même te le prouver tout de suite. Non merci. Dis donc, elle est belle ta caméra, gamin. Tu sais qu'on peut faire plein de choses avec un engin comme ça. Wow, calmos. Bon, reprenons. Et cette fois, je vais être direct. On dit que vous êtes schizophrène. Qu'en pensez-vous ? C'est pas faux. Ah, donc vous admettez que vous avez plusieurs personnalités ? Ah non ? J'ai jamais dit ça. Vous venez de dire à l'instant que vous étiez schizophrène. C'est pas faux. Donc, vous avez bien plusieurs personnalités. Bah non. C'est une blague. Mais non, je dis juste que parce que vous dites, bah c'est pas faux. Sans vouloir te vexer, il a raison, hein. C'est deux maladies complètement différentes. Non mais, de quoi je me mêle, hein ? Je sais très bien de quoi je parle, donc t'es gentil, tu la ramènes pas. Ok, mais je t'aurais prévenu. Monsieur Ivanhoé, hein, il faudrait peut-être vous décider là. Hein. Un instant, vous confirmez, et juste après, vous niez tout en bloc. C'est parfaitement contradictoire. C'est pas faux. Putain, mais t'es schizophrène ou t'es pas schizophrène, bordel de merde ? Désolé, mais je connais pas ce mot-là. Ouf, il va me falloir un café parce que je vais commettre un meurtre. Mais dis donc, ça nous ferait un scoop au moins, hein ? Pauvre con ! Pauvre con ! Tous des pauvres cons, on est ras-le-cul, travaille avec des connards pareils, non mais c'est pas possible. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ? Nous allons maintenant essayer de le suivre à distance pour voir comment il se comporte lorsqu'il est seul. Et comme le disent les plus grands sages, Aben Criterium Tibilex Apollo. Voilà, ça veut rien dire, mais bon, ça en jette. Je veux pas dire, mais il a vraiment l'air con quand il fait ça comme ça. T'arrêtes un peu. Oh merde, putain, regarde ce que t'as fait. Mes créons ! Non, mais t'inquiète pas, c'est qu'un rôle. Mes créons ! Oh putain. Ah, y'a pas à dire, il tient vraiment bien son rôle, ce con. Oh, mais ta gueule ! Mes créons ! C'est bon ? Ouais, ça tourne. Après un léger incident, nous avons demandé à plusieurs personnes ce qu'elles pensaient vraiment d'Ivanhoé. Alors, que pensez-vous d'Ivanhoé ? Ivanhoé ? C'est qui ça, Ivanhoé ? Voyons, c'est un très célèbre chevalier qui habite dans la région. Très célèbre chevalier ? J'en ai rien à foutre, moi ! Ce qui m'intéresse, c'est les baleines ! Ivanhoé, c'est pas une marque de déodorant ? Non. Ok, bah ça me dit rien alors. Bon, monsieur le pénible, il est bon là ton plan ? Oui, vas-y. Ok, on en était où déjà ? Décide-moi le mouton. Putain, y'a quand même des gens trop bizarres dans ce bled. Sérieux ? On y va ? Les avis recueillis ne sont pas très concluants. Et encore, t'es gentil, hein ? Ah, c'est fini ces commentaires-là ? Si j'ai fini, ça se voit que tu me connais pas, hein ? Les avis recueillis ne sont pas très concluants. Nous poursuivons donc nos investigations. Vous connaissez Ivanhoé ? Le petit Ivanhoé ? Ben bien sûr que je le connais ! Ah, ça c'est bien ! Et d'où le connaissez-vous ? Ben, quand il était petit, il venait souvent chez moi pour jouer avec ma chèvre. Monsieur, voyons.
À propos d'Ivanoé, monsieur, je... Mais pourquoi? Oh, merde, allez. Attends, tu veux vraiment qu'on rentre alors qu'on n'a rien à dire? Oui, et y a pas à discuter, allez, on se casse. Mais arrête de filmer. Oh bah non, ça me fera un souvenir, attends. Oh, si ça peut te faire plaisir. Tu sais ce qu'on va lui dire au rédacteur en chef? Bah écoute, la vérité, pour une fois, on a que de la merde, et puis plus Ivanoé, personne n'en a rien à foutre, alors à quoi ça sert d'insister? Fuyez! Pauvre fou! Bah qu'est-ce qu'il a, lui? Ok, j'en sais. Oh putain, pas encore! Oh bah tiens, il m'avait manqué, lui! Tu le sais que tu as trop de haine en toi, tu le sais! Ah là là, ils prennent plus le temps de vivre, les gens. Ils sont tout le temps en train de courir. J'ai pas raison, Oscar. Ah.